Alors ici, on est dans nos caves. C'est l'endroit où l'on affine plus de 250 sortes de fromages différents. Des fromages essentiellement issus de petits producteurs, bien entendu. Ces fromages ont des spécificités. Chaque fromage est affiné de manière différente. On va les retourner, on va les laver, on va les brosser. Et ce, pratiquement tous les jours. On va y apporter un soin constant à ces fromages-là. Alors bien entendu, ces fromages ne seront pas les mêmes. Ils n'auront pas le même degré d'affinage que les produits que l'on va envoyer dans les pays asiatiques, par exemple. Et ce, pour une simple et bonne raison, c'est que si vous prenez l'exemple de Bangkok, où vous avez une température entre 35 et 40 degrés et une hydrométrie à plus de 98%, il sera hors de question d'envoyer un fromage trop affiné. Il ne se tiendra pas, il n'aura pas les mêmes qualités organoleptiques que l'on pourrait retrouver chez nous. Alors ça, bien entendu, c'est tout un savoir-faire, mais c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, et nous sommes la sixième, tout simplement. Nous avons commencé la démarche à l'export il y a une vingtaine d'années avec Philippe, mon frère, qui a commencé à vendre au Japon, à Tokyo, nos fromages affinés. Et il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'on n'exportait que dans un seul pays, à l'autre bout du monde, un très faible pourcentage de notre chiffre d'affaires. Et là, on s'est dit, voilà, on va revenir vers la France et on va passer par des pays tels que Hong Kong. Et on a commencé à Hong Kong avec des festivals du fromage international, où on a présenté et on a surtout fait de l'éducation. Parce que pour nous, exporter, ce n'est pas que vendre, c'est déjà faire de l'éducation. Donc on prend notre bâton de pèlerin et puis on va éduquer. On fait à peu près, avec Philippe, 130 animations, soirées, trainings, workshops à travers le monde, juste pour éduquer, raconter des histoires. Nous sommes partis de Hong Kong, nous sommes allés vers la Thaïlande, après Dubaï, et maintenant nous revenons aussi en Asie parce qu'on a ouvert, le Cambodge, le Vietnam, Singapour, et on va ouvrir fin de cette année la Chine. Et là, pour nous, c'est un très gros marché qui s'ouvre, et l'année prochaine, les États-Unis, le Canada et l'Europe du Nord. Et pour nous, c'est vraiment le bâton de pèlerin, c'est la transmission de la sixième génération vers la septième génération qui arrive. Et c'est notre fer de lance, parce que moi j'ai trois frères, j'ai Charles qui est à Lyon, j'ai Philippe qui est le maître affineur, et j'ai Eric qui s'occupe des magasins, et moi qui m'occupe du restaurant et du grand export.